أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes amis de YouTube salam salam c'est mon nom madame Javi donc aujourd'hui je vais parler du système immunitaire voilà les choses à consommer pour se protéger et pour renforcer leur système immunitaire surtout aujourd'hui on a vraiment besoin d'avoir un système immunitaire qui est assez solide assez strong pour nous protéger contre ce foutu virus là. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et je vais parler un jour là, je vais essayer de parler un jour là parce que je pense qu'il y a déjà assez d'informations sur les réseaux sociaux qui parlent de système immunitaire en français. Mais je n'ai pas vraiment assez qui parlent de système immunitaire un jour là, donc je vais essayer de parler un jour là. Pour commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à mon Ramadan fundraising. Comme un on a 1400 le soir, on a 1500 la terre, 2000 Inch'Allah. Et comme tu venais à 1000 là, c'était pour donner aux enfants pour le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est dans un mois. Et je veux bien envoyer cet argent là maintenant. Si jamais les enfants ont besoin de ça maintenant, pour qu'on puisse acheter des choses pour eux maintenant. À cause de ce virus là, tout le monde est coincé à la maison, on rentre tout à la bras là, donc c'est pas facile. Je me dis que c'est pas du tout facile pour les orphelins actuellement. Donc, je demande comme ça et toutes les personnes qui ont participé, si ça ne vous dérange pas, que je donne votre argent maintenant aux enfants pour commencer à consommer maintenant avant le Ramadan. Parce que le Ramadan, là, franchement, on ne sait pas, on ne sera ni là. On ne sait pas, hein, parce que le virus là est vraiment à un moment où il y a pas de quoi. Donc, si jamais c'est un problème, vous avez mon numéro, contactez-moi, dites-moi, moi je préfère attendre le mois de Ramadan avant de donner ma part. Donc, dans le cas contraire, je vais envoyer ça maintenant. Et elle a dit, moi, mon money, je vais leur donner les consignes que c'est pour les enfants. Vous pouvez acheter des choses pour les enfants maintenant. Pas pour le Ramadan, mais maintenant. Je pense qu'ils ont besoin de ça maintenant. Voilà, faites-moi savoir. Voilà, c'était, je voulais rajouter ça à la vidéo avant de commencer. Donc, le coronavirus. Ce que les médecins ont remarqué, ce que les gens qui travaillent dans le corps médical ont remarqué, c'est que avec mon corobao, vu que les personnes qui ont déjà des problèmes de santé, moi, par exemple, ni diabète bilan, ni tension bilan, ni sida, les maladies bizarres, là, les maladies dangereuses, là, plutôt, les maladies qui sont assez. Les maladies chroniques, là, les maladies. Je suis en train de chercher le mot en djoula, donc ça fait que je bégaye. Donc les maladies chroniques, les maladies bizarres, sida, diabète, cancer, les maladies comme cela, nabila, ni car bon, quand tu es obèse, ni car tu es et puis ma forme là, la maladie coronavirus qui sera, as-tu ne loupé parce qu'il y a un système immunitaire, c'est déjà fragile. Moi, je suis abonné. Je suis assisté à l'immunité et c'est fragile parce que ce qu'on a caché, il faut que l'on ait. Parce que c'est très belle et banale. Mais c'est ce qu'on a mabé. Donc, assisté à l'immunité, c'est déjà fragile. Donc, le coup, on a voulu mener à vous le secrétaire. Mais mon robot nous freine. Je suis en bas. Assisté à l'immunité, c'est déjà fragile. Parce que quoi, je me suis abégué. Puis, je me suis abégué. Donc, je suis en train de me faire attendre. La fin de la quête, il y a quelque chose qui s'est abandonné, avec ta ranée. Donc, en tant que musulman, en béquant la famille, on ne va pas rester ici, on a ça, mais on avait ça là, et quand on a les ménages, on a le bouche à mon droit. On a la dôme, on a la Allahumma, inni, a ouvre, bika, mina le bera sui, wa le jounouni, wa le jouzam, wa min saï, il asquam, n'a pas de fola, on a la demi-brebelke, à Franquin. Un système immunitaire d'aimer. Donc, en tant qu'Africain, il y a 2000 blèves, nous allons. Donc, il y a 2000 demandes de mon enfant, il y a 2000 fois, 1000 versions FAI pour que l'Afrique puisse consommer quoi. Il y a 2000 fois, 1000 versions FAI. Il y a 2000 fois, 1000 versions FAI pour qu'elle puisse consommer, qu'elle aime.
Donc, quoi, système immunitaire, bourse, quoi, système immunitaire, la femme, là, à mon enfant, au Dominique, à Dominique, quoi, système immunitaire, le système immunitaire, n'est pas, lui, c'est la vie aussi, une calée. Ni vu ce qui m'a ni quoi. Il vous a mis qu'il faut que. Il s'est lancé la taux, banane, bro. Maintenant, on le faut, puis quoi. Donc, je vais essayer de tout m'envoyer un peu, si ma voix est assez basse. C'est parce que j'ai des problèmes de j'ai des problèmes de articulation. Voilà, j'ai des problèmes pour articuler mes mots. Donc quand je ôte ma voix, j'arrive pas à faire les deux ensemble. Ôter ma voix et articuler, j'arrive pas à le faire. Voilà pourquoi je baisse ma voix pour pouvoir articuler. Portez un écouteur, écoutez ma voix. Ne mettez pas en dessous de ma vidéo et cliquez là-bas. Tu veux que je fasse quoi? La vidéo est déjà faite. Nous quand on a la vidéo est déjà faite. C'est en faisant la vidéo, je me rappelle que ma voix est basse et j'ôte ma voix. Donc, bon. Système immunitaire, il faut le système immunitaire, il faut qu'il y ait défense. Défense, il faut qu'on ait la militaire ou bien, gendarme ou bien, Olivier, système immunitaire, il faut qu'il y ait militaire, il faut qu'il y ait gendarme, il y a système immunitaire, gendarme, militaire, policier, il y a Olivier, il faut qu'il y ait. Olivier, il faut la défense, défense mécanisme, mécanisme, il faut la défense, mécanisme, Libya, Libye, système immunitaire. Olivier, il faut défend, Farco défend français même. Car demain, Farco demain, ni Masfako de Bedrado, ni Masfako de Farco, il faut demain quoi. Donc, il y a quand même demi-fin de don, qu'on loue fin de la baraque. Ni ka domini do beni kulu donke i far ko a militaire far ko a police far ko a gendarmerie demi fe no bolu deme poko yo a barake ni ma do fe no demi fitin to ni ko ba la i be stre i be sorso ni fe no be stre ko dimini sin dimini fe no bon ka sa ga na se unité mais ni ma demi brave demi i demi sen mato la ni be ko ya la plus i be ko la plus bana be ju ya ju la parce que par ko ba stre donc i be la i be ka demi minute ke ki a système immunitaire. Non, il y a amylophobie. Et le système immunitaire familial. Et le système immunitaire familial. J'espère que j'ai bien expliqué un jour là. Système immunitaire volé. Donc, moi, demande-moi, va faire le système immunitaire dans le pays. Fait même de mort avec la vitamine E. Mais la vitamine, du moins, c'est qu'il y a le système immunitaire de la vitamine C. Vitamine C. Comme si c'est. Vitamine C. C'est qu'il y a immunitaire système de la ni moi, quand même, vitamine C. On peut même mettre du jumeau qu'on a le lombo baille. Le mouba, personnellement, hein, personnellement, c'est pas la chose que je vais, la chose que je vais conseiller, le chose. C'est pas la chose que je vais conseiller parce que les gens qui ont déjà des problèmes là, avec le système immunitaire là, quand on a comment dans la famille kanya, le problème qu'on a avec, le problème que nous on a dans la communauté africaine, on n'aime pas écouter, on n'aime pas apprendre. Ce qu'on aime, c'est d'écouter et puis saboter. On ne prend pas le temps d'écouter les choses. Écoutez bien ce que je dis. Si vous écoutez bien ce que je dis, ça va éviter de poser trop de questions. Si vous n'écoutez pas, vous allez poser trop de questions, vous n'allez rien comprendre. Les personnes qui sont obèses, les personnes qui sont grosses, ce sont les personnes qui sont sensibles aux diseases. Le orange là, qu'est-ce que ça a dedans? Le sucre. Les personnes qui ont diabète, les personnes qui ont diabète, les personnes qui sont diabétiques, là, ce sont les personnes qui sont sensibles au genre de maladie là. Orange là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sucre. Donc quand tu fais 1 plus 1, tu vois maintenant que le sucre. Hein, l'orange, la vitamine C, l'orange là. L'orange, c'est pas la bonne solution pour consommer actuellement. C'est pas la meilleure chose à consommer. Mais si ça a la vitamine C, c'est pas la meilleure des choses à consommer à cause du contenu du sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc, automatiquement, l'orange est disqualifié de vous consommer des choses qui ne sont pas trop sucrées. Papaye, la papaye, ça a moins de sucre que l'orange. La papaye, a plus de vitamine C que l'orange. Vous pouvez conseiller la papaye, vous pouvez consommer les kiwis. Je ne sais pas comment dire kiwi en français, je pense que c'est pareil. Kiwi, ça a beaucoup de vitamine C. Vous pouvez consommer les kiwis, vous pouvez consommer kale. Je ne sais pas comment on dit kale en français, mais je vais mettre la photo de kale. Vous pouvez commencer kale. Vous pouvez commencer kale, vous pouvez consommer des brocolis, ça a de la vitamine C. Vous pouvez consommer, je regarde la photo, j'ai mis la photo ici, je regarde. Vous pouvez consommer pepper. Pepper, red pepper, voilà, orange pepper, ça a la vitamine C. Pepper, c'est des courgettes. Vous pouvez consommer des courgettes, ça a la vitamine C. Vous pouvez consommer du citron. Le citron, le vert, ça a moins de vitamines que le jaune.
le jaune, le citron jaune, en anglais on appelle ça l'âme. L'âme là, ça a moins de vitamines. Le jaune, ça a plus de vitamines. Donc le jaune est plus mieux à consommer. Vous pouvez consommer du jeûne. Voilà, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlaient de Wafalako, Kanimako, Laï, Lomogumu, Kami. Kalaï, Lomogumu, Laï, Anilaïmi, c'est une bonne idée. Mais le fait que Wafalako, Kabelkini, Kaourini, cette idée n'est pas bonne, vous devez savoir que chaque fois quand tu mets la nourriture que tu peux consommer crue, à la mécanique. Chaque fois que tu peux manger cru, quand tu mets au feu, par exemple, orange, lomoukou, nimakou, djaba, laï, tu peux le consommer cru, non? Chaque fois que tu le mets au feu, là, ça perd ses vitamines. Chaque fois que tu le mets au feu, après 3 minutes, ça perd ses vitamines. Voilà, c'est pareil comme la carotte. La carotte, tu peux la manger crue, vitamine, voilà. N'est-ce pas, t'as ce qu'on a la vitamine est droite, et puis à ce qu'on a le diamant. Donc, ce qu'on a fait, finalement, quoi. Et quand elle est ma balle, ça ne va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Après, il y a diabète, il y a banane tordue, ça ne va pas vous aider. Vous pouvez consommer la nana. La nana aussi est bon, mais la nana, ça a beaucoup de sucre, donc ce n'est pas trop bon. Vous pouvez consommer Brussels sprout. Donc, des choses que vous pouvez consommer. Je vais essayer de mettre des vidéos pour que vous puissiez voir les images, pour que ça puisse vous aider. Donc, rappelez-vous, vous devez manger moins de choses sucrées, vous devez consommer des choses qui sont riches en vitamine C. Vous devez consommer des choses qui sont, pour les couleurs, pour vous rappeler des couleurs, vous allez au marché, je ne sais pas si cette chose-là a vitamine C ou pas, remarquez les couleurs. Les choses qui sont vertes, les choses qui sont vertes seront automatiquement bonnes pour vous. Les choses qui sont la couleur rouge ou jaune seront rouge, jaune, orange seront bons pour vous. Ces choses-là sont riches en vitamine C. Mais quand vous prenez ces choses-là, il y a ce qu'on appelle là quoi. Ce qu'on appelle quoi. Avec la vitamine Doria. Donc ça ne peut pas avoir les deux choses à la fois. Ça ne peut pas être bon et sucré à la fois. Ça ne peut pas être comme cela. Voilà. Quand c'est sucré, ça ne peut pas être bon pour le corps. Voilà. Ah ben, la chose qui est bonne et sucrée pour le corps. Mais c'est le miel. Voilà, c'est le miel. Voilà, ok, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Salam alaikum. J'ai oublié de rajouter que le persil, la petite clé, non, un persil, n'est pas. En Amérique, ça brûle les sortes de persil. La persil américaine, il y a persil. Que c'est en Amérique, ça brûle les persil. Mais en Afrique, là-bas, donc c'est persil, c'est persil. Persil contient assez de vitamine C. Persil contient assez de vitamine C. C'est un persil soussou. Donc rappelez-vous, je ne suis pas une recette, hein, je suis pas cuisinière, je dis ce que je connais, voilà, je dis ce que je connais. Alors qu'un buzz de poulet, ah, mon dieu, petit carré, tu feras. Je n'ai pas dit, ah, petit carré, tu feras. J'ai dit, ça a vitamine C. Donc, avec moi, la mécanique, vous allez déformer mes discours, donc, à quoi petit carré, tu feras. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que je dis. Je dis, les condiments qui ont des vitamines C vont renforcer votre immune système. Votre système immunitaire, les condiments qui sont riches en vitamine C vont donner beaucoup de force à votre système immunitaire. Donc le persil là, il est la persil. Le persil, voilà, un persil. Voilà, le persil, ça a vitamine C. Donc maintenant, si vous cuisinez le persil, n'est pas obligé là, n'est pas obligé là à miner quoi, avec la vitamine FA. Donc quelle solution que j'ai trouvée à ça? Voilà, donc la solution sera là. Et puis ce qu'a sous-sous, rajibo, révèle la mine. Simple. Parce que quand on a bel et bien rempli, on va donner la vitamine. Puisque ça reste sur le feu après 3 minutes, là, ça perd ses vitamines. Donc, quand ça perd ses vitamines, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que ça sous sous, ça dit brami. Mais quand ça sous sous, ça dit donne, ça dit. Parce que non, on a faim, on a boire, ça a mis des choses comme ça. Parce que quand il fait dans la rime, quand il fait dans la rime, persil, ça boute des vitamines C. Surtout aussi, moringa. Votre moringa, que vous avez à boire, là, elle m'a coûté l'année. C'est le moment d'aller chercher la moringa, la pile de poisson, la manger. Le dévorer. Mais aussi, ça perd ses vitamines. Excusez le bruit, je suis à la maison des enfants, c'est pas facile. Donc ça perd ses vitamines. Tu vois la vidéo qu'elle a avant, mais je suis obligée de faire cette audio-là pour que je rachète là-dessus. Parce que j'ai oublié de rajouter ça là-dessus. Donc moringa aussi, ça a la vitamine C. Je ne sais pas la quantité de vitamine C que le moringa a, mais ce n'est pas disponible en ligne.
c'est pas disponible, je sais pas la quantité que ça a, mais ce que j'ai vu, c'est que ça a plus de vitamines C que l'orange. Donc, bon, ça, sûrement que ça a beaucoup de vitamines, mais le persil, j'ai vu la quantité qu'il y a. C'est assez pour une personne. Donc, parce que c'est pas bon, hein. Il faut prendre quelques feuilles, une feuille, deux feuilles. Quand tu as une feuille, deux feuilles, il va falloir aller. Il va falloir chercher, ça suffit. Femme, je là. Ne prenez pas 10 verres pour boire. Normalement, il va falloir un verre, quoi. Un verre de persil. Elle va traquer, je là. Pas sous-sous, parce que c'est sous-sous. Comment est-ce que tu as mis un peu de bruit? Pourquoi tu as mis un bon nom? Tu as mis un bon nom, tu as mis un bon nom. Tu bois, c'est facile à boire. Tu bois ça, ça va aider. Ça a beaucoup de vitamines C. Il va que tu fais là, il va que tu fais là pour que tu aies mis un noyau de bruit. Ok, j'ai fait la vidéo, mais j'ai oublié de rajouter quelques petits détails. Donc, après avoir consommé. Après avoir dit à la oum imi en ouvre bika min al baraswi wa le jonoun wa le josam wa min saï il aswa à la oum imi en ouvre bika min al baraswi wa le jonoun wa le josam wa min saï il aswa. Après avoir dit ça, vous consommez de la nourriture qui va aider votre système immunitaire. J'ai déjà dit quelques nourritures, je vais rajouter d'autres nourritures là-dessus. Donc, j'ai dit le persil était bon, voilà, le persil est bon. J'ai dit le poivron était bon, j'ai dit moringa était bon. Maintenant, ceux qui ont la possibilité d'avoir des grains de, on appelle ça déjà, flaxseed oil. En anglais, ils appellent ça flaxseed. Voilà, c'est flaxseed et ici, ça se vend en grain, ça se vend en nul. Aux États-Unis, ça se vend en grain, ça se vend en nul. Moi, je l'huile. Voilà, on appelle ça en arabe abatisauda. Je pense abatisauda. Abatisauda. Beaucoup de noms, en fait. Parce que chaque culture prononce ce médicament avec leur propre langue. Aux États-Unis, on appelle ça black sea oil. En français, je pense que c'est les grains noirs. Grains noirs, je pense. Grains noirs. Voilà, black grains noirs, je pense que c'est ça. Donc, c'est ça, vous devez chercher ça en Afrique là-bas. Je vais mettre la photo. Vous pouvez la longue, même mime, quoi. Black seed oil. Donc, comme moi, j'ai découvert black seed oil, c'est de l'huile. Voilà, c'est des grains, pas bici, tout, voilà. Donc, Afrique, il y a besoin de faire une carte à soussou, une carte à soussou avec olive oil, blanc, avec la tenue, quoi. Avec un jus de la tenue. Ou à grain, ou à qui s'est à soussou, non, qui s'est à soussou, ou bien faire un carte à olive oil, olive oil, quand on va bici, avec un trouillé, quoi. C'est comme ça, j'ai vu une vidéo qui expliquait comment on peut faire. Mais bon, moi, je ne fais pas ça. Alors, moi, quand je suis en donc, moi, ce que je fais, je paye déjà. C'est très cher. C'est pas très cher, mais c'est cher. Voilà, je paye la petite. Je pense que 52 mg, c'est un truc de. Je ne sais plus le prix. Je vais mettre le prix. C'est $100, quoi. Vous allez voir. Manifeste là-bas, je pense qu'il y a le grain qui existe là-bas. Et puis, ça a grain 100. Dôme. J'ai connu ce tulule-là à travers une vidéo, plusieurs vidéos que j'ai vues sur YouTube il y a environ 5 ans de cela. Et comment j'ai découvert, j'avais des problèmes de respiration, j'avais des grands problèmes de respiration, mon asthme était à pic. Donc, je suis allée sur l'internet, j'ai cherché ce que je peux faire pour m'aider, j'ai fait des bouts d'or pour moi-même et j'ai bien tourné le camp. Une belle amour de camp qui expliquait, c'était même pas un musulman, le monsieur c'était pas un musulman, il disait comme ça que lui il avait des problèmes de respiration aussi. Avait peut-être tout le temps grippé, tout le temps enrhumé. Donc, il a découvert ce tulle-là. Il dit que les musulmans ont leur prophète. Il parle des autres prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les musulmans ont un prophète qui dit que ce tulle est bon. Voilà, donc moi, je vais. Puis j'ai fait mes propres recherches, puis j'ai vu que c'était vrai. Donc, une fois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Abatou Sauda, quoi. Abatou Sauda, là. Abatou Sauda, Abatou Sauda. Voilà. Le Black Sea Oil, on appelle ça Black Sea Oil. Et à moins qu'il manque seulement si à bon qu'on croit parce que trop dans les avec banane bête, voilà, avec les sida, cancer, diabète, tension, tout ça, impuissance sexuelle, voilà, banane bilané, dire les canons, nyamboyalo, acidéalo, c'est banane, acidéal banane, je pense, voilà, nyamboyalo, acidéalo, voilà, Mormandier.
Ils m'ont croisé là, ben, fait un banane, je pense. Donc, on va les faire quoi? Coronavirus, voilà. Banane, banane, quoi. Ça soigne tout maladie, ça soigne tout mal. Voilà. Pas, voilà. Je plaisante là. Il faut rigoler un peu, quoi. Tout le monde est stressé, tout le monde. Tout le monde pense qu'il va mourir. Non, regarde, tu vois quoi? Avec ou sans coronavirus, tiens. Ni bi, ni. Alors, quand il y a un assassin, non, j'attends de vous faire quoi? Donc, ok. Donc, on sourit là, on va sourire. Donc, Abati Saouda l'a dit, le prophète Mohammed Sallallahu recommande que tout musulman aille à bon compte, quoi. Donc, je vais quand même faire la vidéo quand Abati Saouda, c'est très, 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 très bon. Abati Donc, moi, je sache, moi ici, j'utilise quand je me souviens de ça. C'est vrai que je me souviens à tout le comment bien utiliser. Mais quand je me souviens, je prends une cuillère le matin, une cuillère le soir. Amandi blablabla quoi? Amandi blablabla. C'est comme, allô, c'est comme l'huile d'olive. Pas trop bon, mais tu consommes ça quand même, non? Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est un goût assez piquant. C'est un goût assez piquant, mais c'est bon. On peut faire vraiment sur ça. On recommande qu'on utilise ça. C'est bon pour la santé. Allô, monsieur, mais bonne année. Tout le monde, moi, je vous dis, mon ami, je vous dis, tout ne c'est pas l'ennemi de l'homme. L'huile n'est pas l'ennemi de l'être humain. C'est rien l'ennemi de l'être humain, c'est le sucre. Sucre. Sugar les kajum adam adam ne fait une baie. Sugar ne sonja. Sugar ne sonja. Les kajum ne sonja baya kola. Le sim tika fait qu'elle a. Fena kala nan nan elle ça elle ça elle ça quoi. Nan manakane elle ça rompe. Nan manakane fa. Nan manakane ça. Nan manakane fa. Ça fera pas. Ça fera rien vous fait. Après nan pas nan ta. Mais nan manakane ça ça va vous louper. Parce que nan laisser l'envoyer. Donc vous avez compris un peu ce qu'il faut faire pour le système immunitaire. Je vais vous donner quelques petites astuces, comment faut trouver les condiments qui contiennent la vitamine C. Maintenant, je rajoute l'huile noire, l'huile noire, black seed oil, l'huile noire en français. Je vais mettre la photo, la photo de grain et tout ça. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Mouna, Madame Javi. Salam, salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que j'ai été bien comprise et que l'émission va bien passer. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, après, on aura ce mot là, Madame Javi.